Mesdames et messieurs, bonsoir. Un mot d'abord pour vous dire que c'est un honneur pour moi de vous présenter dorénavant ce téléjournal, que c'est avec humilité, mais avec beaucoup de fierté, que je vais assurer avec toute l'équipe ici, avec tous mes collègues, la suite d'une longue tradition journalistique. Et j'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux pour 2009. Une année, vous le savez, qui a commencé dans le sang, à Gaza. Et ce que 1,5 million de Palestiniens redoutaient, s'est produit. Encerclés, bombardés, ils sont maintenant piégés par les combats qui ont éclaté entre l'armée israélienne et le Hamas. D'ailleurs, on rapporte que ces combats se déroulent maintenant à l'intérieur même de la ville de Gaza. Le bilan s'alourdit. On compte maintenant 550 morts et 2500 blessés côté palestinien, 8 morts côté israélien. Et la crise humanitaire prend de l'ampleur. Notre correspondante Annick Béraud s'est rendue à la frontière entre Israël et Gaza.